train de faire du poney. Joris, pas trop déçu de ne pas pouvoir faire poney. Si, beaucoup. Je vais voir Mewen qui veut faire de l'avion. Donc elle est partie avec sa maman faire la queue et on va aller les filmer en train de faire de l'avion ensemble. Alors c'était comment? Super. Super.
c'était génial, hein. C'est un truc à refaire. Prochain rendez-vous spectacle sur la mer de Sable. On regarde quoi là? On regarde quoi? Ce spectacle. On regarde la tête du crâne. Il arrive, il arrive. Jackson, où ils seront jugés. Le traité signé, Nuage Rouge et ses guerriers retournèrent sur leur terre, où ils purent vivre en paix encore quelques années. Lorsque la lune danse, lorsque la pluie chante, lorsque le soleil tournoie, lorsque notre regard croise celui du guerrier ennemi, lorsque le bison s'offre à nos flèches, lorsque nos chevaux filent comme le vent, lorsque même l'horizon n'est plus une limite, alors nos cœurs s'envolent comme le faucon. Les cascadeurs de la mer de Sable vous remercient pour vos applaudissements et espèrent que vous avez passé un agréable moment en leur compagnie. Le spectacle auquel vous venez d'assister a été écrit et mis en scène par Monsieur Georges Branche et produit par Cascade et Fantaisie Équestre. Merci encore pour vos applaudissements. Et si nos spectacles vous ont plu, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et sur les réseaux sociaux. Profitez dès maintenant de toutes nos attractions. Et n'oubliez pas votre prochain rendez-vous spectacle dans la grande arène de la mer de Sable, le tournoi des Trois Nations. Alors on fait une petite pause de rafraîchissement. Ça va, Mewen? Ouais. Donc toi, tu manges un granité, hein? Et Joris, il a déjà fini. Non, prêt. Alors, c'était bien cette journée. On n'a pas fini, mais c'était bien là pour l'instant. Ouais. 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 Toutes les attractions t'as plu?
Ouais, quand il les refaire, après on t'attaque, l'attaque du roi. L'attaque du train. L'attaque du roi. Non, non, oui, c'est l'attaque du train. L'attaque du train. Et Mewen dit l'attaque du roi. Voilà. Joris, toi, tu passes une bonne journée? Oui. Oui? Les attractions t'ont plu? Oui, beaucoup. Je sais que t'as eu peur dans le petit train avec les singes. Oui, beaucoup, beaucoup. Et toi, Elodie, tu passes une bonne journée? Oui, ça va. Ouais. Tout t'a plu? Oui. Bon, allez. On finit ça et on y va. Ta prête, c'est... Et, papa? Oui. Ta prête, c'est... Framboise. Framboise. Prête, c'est framboise. D'accord. Est-ce que c'était bon? C'était très bon. Mais ouais. Thank you.
Salut, shérif Méwen. Comment ça va? Ça va? Ça y est, c'est la fin? Un petit peu déçu qu'on parte? Ouais, je sais, tu aurais voulu rester vivre ici, toi. C'était trop bien, hein? On refera ça? On refera une journée comme ça avec Justine, par contre? Et Alexis. Et Alexis aussi? Oui. Ouais? Ok. Qu'est-ce que t'as préféré dans ta journée? Tout. Tout? C'était tout génial? Oui. Et toi, Alexis, Joris, du coup? Oh, c'était trop bien. C'était trop bien, une bonne journée? Ouais. T'as préféré quoi? Le dernier que j'ai fait. Le Tiger ouais, Racer ou je sais pas quoi. Le Tiger Express. Le Tiger Express, c'était cool. Ouais. Bon, bah on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On dit quoi aux copains, Méwen? Méwen. Abonnez-vous. Laissez. Ouais. On vous dit à la prochaine. Ciao, ciao les copains. Ciao.